Code créateur Togmar! Tiré YT. Ok les gars, salut à tous. What the fuck? Il est poupou, Kyo. Bah salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du coup. Bon, vous commencez à connaître hein. Quand je suis en solo comme ça, la plupart du temps c'est pour être tranquille. Voilà, pour discuter un peu avec vous. Là, là, on va essayer de faire une bonne game quand même. Donc alors, j'étais un peu concentré là pour le début de game. Eh, c'est la gay! Je vais aller là-bas là. L'objectif est ouais, de faire quelques puces quand même. S'avancer un peu dans ces trucs-là. Ben, je l'ai. Oh, ça marche pas. Oh, ça mange pas cette merde. Je sais pas. Bon, il y a encore du monde là-bas. On va y aller. Où toi? Surprise, motherfucker. Quoi? Oh là 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 là. Quelle arnaque. Mais quelle arnaque! Et depuis quand il y a autant de monde ici là? Oh mon Dieu! Mais c'est IM! Oh là 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 là! Oh my God! Dégueulasse! Bon, du coup, ouais, à la base, cette vidéo c'était pour vous parler tranquillement, quoi. Mais bon, là, voilà, quoi. Je suis à Junk Junction et c'est la Hesse. Bon, du coup, ouais, à la base, c'était pour vous parler de la suppression de la SMG et bah, de la nouvelle arme aussi, là. En gros, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait. Ça nerf un peu la méta spam, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une arme en moins qui était quand même particulièrement très forte, qui spammait, du coup la SMG silencieuse. Donc ça c'est vraiment cool qu'il ait enlevé. Après c'est vrai que bah, ça va faire des déçus parce que c'est vrai qu'elle était vraiment très forte. Bah, c'était l'arme avec les plus gros dégâts du jeu, hein, tout simplement quoi. Oui, elle était vraiment très forte. Mais bah, c'est, je trouve c'est un point positif parce qu'en fait, du coup, il y a une arme en moins qui spam. Du coup, la méta spam est un tout petit peu bah,
calmer quoi. Bah du coup ça fait que la méta spam je suis trop concentré dans ma bulle là, j'arrive pas à parler wesh. Horrible. En fait je vais chercher ma puce de décryptage là. Vas-y pousse pas la bulle. Ouais, du coup je disais, en fait la suppression de la SMG silencieuse fait que ça nerfe un peu la méta spam. Et ça moi je trouve ça pas mal quand même, de ce côté. D'un autre côté, je vais prendre ça, écoute, bien. D'un autre côté la nouvelle arme a l'air, bon pour l'instant, j'ai pas trop pu tester quoi, mais elle a pas l'air giga OP on va dire. Mais elle a pas l'air dégueulasse non plus, donc ça va. Et aussi le problème je trouve dans cette dans ce patch. Yes. What? On se calme. Wesh. Oh, il m'a saoulé là. Donc du coup je disais, le problème en fait c'est que d'avoir enlevé la SMG silencieuse, ça fait que ça rend la Thompson beaucoup plus forte. Vas-y mais il me saoule, mais laissez-moi parler à mes abonnés bordel. Incroyable ça. Bon attendez les gars, hein. Je veux pas nous laisser tranquille. Je vais me casser. Vous m'avez gonflé. Là, en gros voilà la nouvelle arme là j'utilise, c'est vraiment pour, vu que j'en parle et que je l'ai trouvé en bleu, bon bah j'utilise. Mais en vrai je sais pas du tout si je vais utiliser à l'avenir, parce que contre une Thompson par exemple, n'a aucun sens quoi. Mais c'est pas possible, c'est le vrai foutoir cette game. Pas beaucoup en plus hein. Du coup je voulais vous dire, en gros en comparaison à une Thompson, vraiment je suis pas sûr du délire quoi. Le seul truc qui je trouve qui est bien, je vais vous montrer, c'est qu'en gros, tac, là j'ai mis ma première salve, la première rafale, et la deuxième rafale il y a la première balle détruite et les autres balles touchent l'ennemi. Je pense que c'est le seul truc qui est bien en fait avec cette arme. Wesh. Sur qui il tire lui encore là? Bon, je vous ai un peu parlé en désordre dans cette vidéo, c'était un peu le bordel parce que je me suis fait embêter, vous l'avez vu, plusieurs fois. Franchement c'était censé être une vidéo tranquille, juste où on discute un peu, mais là, voilà, je suis obligé de slay quoi.
Je suis obligé de slay, les gars. Incroyable, ça. Et voilà, bah en gros, résultat des courses. Cette arme nerf un peu la méta spam. Le retrait de la PM silencieuse. Bah écoutez, ça va faire jaser, j'imagine. Comme d'hab, de toute façon, dès qu'ils font un truc Epic Game, il y a tout le monde qui râle. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que voilà, ça nerf la méta spam. Le problème, c'est que ça, bah, ça upgrade un peu la Thompson, quoi. Ça, c'est le souci, on va dire. Et sinon, la nouvelle arme, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, je pense qu'elle sera pas trop utilisée. Parce qu'elle est pas... Elle est pas assez OP. Putain. Elle est pas assez OP, quoi. Je vois pas dans quelle situation... Vas-y, tombe. Oh, le bâtard. Vas-y, faut que je me casse de là. Ok, bon. Analyse de la situation. Il reste que 8 players. Enfin, dont moi, quoi. Donc il en reste que 7. J'ai quoi? Ok, j'ai un feu de camp. Ah, j'ai un pad. Yes. Hallelujah. Mes frères, mes sœurs. Voilà, donc je trouve que... Juste en ajoutant une petite arme... What? Juste en ajoutant une petite arme, ça change pas mal le jeu et je trouve ça bien. Après l'arme, je pense qu'elle est un peu pourrie en soi, mais du coup, ouais, ça change le jeu. Et c'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve. Moi, j'aime bien la nouveauté, j'aime bien le changement. Ils sont tous gâchés, comme moi, tu crois? Voilà, j'ai envie de gagner la game. Sorte de sortir la vidéo, quoi. Oh, fait quoi lui là-bas? Putain, mais tout le monde qui turtle, quoi, c'est incroyable. Ok, je me mets là. Ah ouais? Est-ce que je serais devenu pas mauvais au sniper? Lâche-moi toi. Je suis pas dans zone là. Là je suis en zone. Là on est bien là. Mais c'est pas possible, c'est quoi cette... Oh le bâtard. J'ai pas grand chose pour me déplacer maintenant. J'aurais pas dû claquer mon pas tout à l'heure en fait. Ça va être la hesse. C'est quoi ce fin game là? Vas-y, mais les mecs ils tryhardent trop, c'est incroyable! C'est incroyable, putain! C'est ouf quoi! Oh le MM, la Coupe du Monde, comme ça a fait changer les choses, c'est ouf! Allez, chien! Bon, bref, voilà, en gros, c'était de ça que je voulais parler.
Le petit changement de méta là qui est en train de s'opérer grâce à cette nouvelle arme, je trouve ça plutôt pas mal. Bon bah du coup vous avez vu que ça devient difficile. Ça devient difficile en ce début d'été 2019 pour être top 1 quoi, simplement. Bref. Bon bah les gars. Ciao!